se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de Binding of Isaac Rebirth. Donc, vous n'avez pas vu la vidéo pour le Challenge 3, c'est tout à fait normal, tout simplement parce que j'ai dû m'y reprendre à plus d'une dizaine de fois pour le faire, donc j'ai préféré le faire hors vidéo pour le réussir, et j'ai réussi sur un coup de chance. Donc on va tout de suite commencer avec le Challenge numéro 5, The Tank, que je n'ai jamais testé. Alors, on a quoi comme objet? Ça risque de... Enfin, je sais pas si ça va être difficile, à mon avis, non. Pas tant que ça. Donc, j'espère que vous avez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Donc, je joue quand même un peu mieux de, un peu mieux qu'hier, hein, ça je peux vous le dire. Enfin, qu'hier pour moi, mais vous, ça fait une semaine peut-être. Voilà. Est-ce que j'ai du dégât? Non, j'ai juste une barre de dégâts, mais si je prends du... Si je trouve des améliorations de dégâts, ça peut aller. En fait, le troisième challenge, c'était des tirs qui vont n'importe... Enfin, pas n'importe où, mais qui vont derrière nous et qui font un cercle. C'est vraiment très très dur à faire. En plus ça fait pas de dégâts, donc encore plus dur. Voilà. Maintenant on va pouvoir se faire le boss. Donc là comme j'ai le lard, ça me fait ralentir. Ah je peux les écraser, ça c'est très bien. Je sais pas c'est quoi qui me permet de les écraser, c'est peut-être le lard. Attendez, je crois que c'est sûrement le lard qui me permet d'écraser tout ça. Ça c'est... D'accord. Mon dieu, j'ai vu mon erreur à la fin, mais... Mais j'ai réagi trop tard. Ok. On va revisiter toutes les salles, donc. Une pièce, waouh. Rien. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, des pots. Des tas de bonnes choses. Donc on peut également trouver des passages secrets sous les rochers. Donc j'espère qu'on va pouvoir en trouver et qu'ils vont nous donner de bons objets. Normalement la salle secrète se trouve juste ici, voyons voir. Eh oui! Tout ça pour deux clés, bof. Voyons voir si s'il y a quelque chose d'intéressant au shop. On prend ça, allez. Je sais pas ce que c'est, mais... Enfin, je sais que c'est pour recharger les barres de notre objet. Mais je sais pas comment ça s'active. D'accord. The Hound. On a vraiment pas de chance. On va galérer, c'est moi qui vous le dis. On va peut-être même perdre ici. Non, c'est bon. Allez, concentration. Le boss. Voilà, il tire sur laser. C'est bon, je suis tranquille pendant un petit moment. Ah, j'ai pas vu venir celle-là. Waouh, j'ai pas fait attention là et j'ai réussi à esquiver. Tant mieux. Nice. Et encore un HP up. Tiens. Deuxième étage.
le cellar. Le cachot. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ces araignées. Allez. C'est vraiment une grande salle celle-là. Hein. Je sais pas c'est l'équivalent de combien de salles normales, je crois que c'est 6. Je ne suis pas sûr. Il devrait vraiment pas être très dur ce défi. Hein. Après, il faut pas tomber sur des araignées comme ça tout le temps parce que sinon on va perdre beaucoup de vie. Parce qu'ils sont beaucoup plus rapides que nous. Et j'ai pas de dégâts, il faudrait du dégât, je sais pas, un Polyphemus au moins. Toujours pas de passage secret. Des bombes. Ça va surtout être long parce que c'est lent, mais sinon ça devrait aller. Nice. Par là. Non mais c'est bon, lâche-moi. Oh putain, je perds trop de cœur, c'est quoi ce bordel? Ah non, je suis bloqué, ok. Bon bah je suis mort, attention. Mais j'ai pas de minière. J'ai perdu tellement de cœur. Ah, c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Bon. Par contre, il y a plein de petits rochers bleus. Hein, ça. Normalement, il devrait avoir un passage secret juste ici. Voilà. Allez, on t'écrase. Enfin, on t'explose plutôt. Oh oh. C'est bon, on a survécu. Allez, une petite échelle là, non? Donc je le ferai quelques. Enfin j'essaierai quelques fois en vidéo. Si ça ne passe pas, bah je le ferai hors vidéo encore une fois. Après en vidéo je vais pas vous donner de petits gameplay comme de ceux comme 10 minutes quoi, 20 minutes minimum à ce propos de, au niveau de ces parties là, donc si je meurs au début bah je publie pas la vidéo donc voilà. Donc vous êtes prévenus. Mais non, mais arrête de prendre tes dégâts, bordel! Ah bah voilà un passage secret!
Un coffre. Ça peut être de tout ici. Soit c'est un shop secret, soit c'est un objet, soit c'est un coffre en or, soit c'est ça quoi. Ça dépend. Pour le moment, j'ai jamais vu encore de shop secret. Allez, explose l'ami. Voilà. Désolé pour un peu la conscience. Ah non mais j'arrête pas de me faire toucher. Voilà. Et même eux quand ils dash ils sont plus rapides que moi quoi. Allez, après celui-là, plus que la moitié du donjon à faire. Flûte, c'est pas prévu ça. Dans les champignons, on peut les détruire pour essayer de trouver un magic mushroom. Ça, c'est bien. Le magic mushroom donne un plus dans toutes les stats. C'est bien. Ah non, flûte. Je voulais pas me faire toucher. Injustice. Alors, par là-bas. Oh non. Nice, le pretty fly. Franchement, elle est vraiment chiante la pilule d'amnésia, hein, parce que là, j'ai pas vu où est-ce qu'elle peut être la salle secrète. On va essayer ici. Allez. Voilà. Ah non, pas celle-là des araignées. J'aime pas ces araignées. Ah, je veux dire, moins que les autres, quoi. Ah, j'aime moins celle-là que les autres, plutôt. Parce que sinon, c'est pas clair. Oh là, merci de m'avoir protégé. Je crois que ça protège un coup par salle. Un projectile, bien entendu, hein, pas un coup au corps à corps. Ça marche pas. Ok. J'ai toujours pas trouvé de shop, je retourne en arrière.
Full Shop pour essayer de choper quelque chose d'intéressant. La Bible serait très intéressante. Parce qu'en fait, la Bible one-shot Mom, ce qui est très 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 intéressant. Bon, il faut déjà arriver jusqu'au Mom, ça je vous l'accorde. Trois pièces. Ah bah, en parlant du loup. La Bible. On va l'utiliser dans la salle du boss, on sait jamais. Ah ouais, il fait pas perdre beaucoup de vie. Mais bon, se prendre ça tout le temps, ça fait quand même un peu de dégâts au bout d'un moment. Et je peux pas l'esquiver en plus, c'est ça le truc. Il m'a déjà fait perdre 2 coeurs en plus. 2 ennemis. Je devrais pas mourir, mais bon, quand même. Ah là par contre là c'est moi qui ai fait l'imbécile. Ah mais tu vas t'essouffler, oui. Mais c'est pas vrai. Oh et oh, oh, oh. Voilà. Speed up. Est-ce que ça augmente ma vitesse quand même? J'en ai pas l'air. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller rechercher... Je sais plus c'est quoi le nom. De l'objet. Magis Earth peut-être. On peut le plus. Pour, vu qu'il restait quand même une stack. Et on va l'utiliser pour récupérer de la vie. Voilà, comme ça. Et ensuite on prend ce cœur là, comme ça on est pratiquement full life. Hein. Maintenant on passe à Cave Stew. Allez, let's go. Ah, flûte. Voilà, ils ont beaucoup de vie, hein. Bizarrement. Ah non, pas eux. Allez, ouvre. Dis ah, voilà. Encore. C'est bien. Voilà. Alors, Cave Stew. Donc, il reste encore la moitié du niveau. Enfin. Après celui-là, il y a ouais, Cave 2, Death 1, Death 2, va être chaud. Voilà. Ça va, j'ai un cœur là, donc je peux voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, bien sûr, je suis trop lent, donc je peux pas. Ah, c'est le problème, ça, de... je sais plus comment ça s'appelle. Putain, je viens encore d'oublier son nom. Bah, un truc qui donne 2 HP, mais qui nous fait perdre... Ah, j'ai oublié. C'est grave. Qui nous fait gagner 2 HP, ouais, mais qui nous fait perdre de la vitesse, ouais. Voilà, c'est ça. Nice.
Allez, on va faire ça jusqu'à avoir 15 pièces au moins qui nous serviront pour un objet au shop si jamais. Sinon, on reviendra ici plus tard. Nice, des clés. Ça. Que dalle. Deux fois ça. Oh, très très bien. Très très bien ça. D'accord, il y a un cœur ennemi ici. D'accord. Il y a deux cœurs en tout. Ça c'est pour le niveau suivant, on va y aller après. Donc normalement on devrait réussir là du premier coup. Ce serait bien. Il suffit juste d'arriver à Mom et je lance ma Bible et c'est gagné. Un cœur ennemi. Ce que je vais te taper tout à l'heure c'est que je compte combien de cœurs en trop il se trouve sur la map. Un cœur ennemi il y avait. Et on va utiliser les derniers sous là. Bon, moi comme je suis un mongol, je me fais toucher par la mouche, hein, bien entendu. Que dalle, ouais. Une pièce pour rejouer une pièce. Un demi-cœur, donc je peux le refaire encore une fois. Vu qu'en fait, ça, au bout d'un moment, elle peut exploser et lâcher un objet. Qui est soit la machine à 100 portable, soit le blood bag qui donne un HP en plus et qui redonne tous les cœurs. Donc voilà. Ah, c'était un demi-cœur, flûte. J'avais pas vu. Alors, soit ici, soit là. Ça me paraît être là, je crois. Ah, aucun des deux. Bonjour, bonsoir. C'est pas ici. Ça peut pas être là. Enfin, si, ça peut être là. Donc, on va essayer ici. Non, on peut pas. Fromage. J'ai encore oublié que je pouvais écraser les rochers, donc j'ai utilisé une bombe, mais bon, c'est pas grave, j'en ai quelques-unes. Toujours pas ici. Quoi? Oh non, je vais mourir là. Ça a retiré tous mes cœurs le bordel. Oh non, me dis pas que je vais mourir à cause de ça. Oh mes flûtes, putain. Oh my god. Faut que je retourne en arrière. Et que je défonce la machine à 100 de sang pour essayer d'avoir des cœurs obligatoirement. Là, j'ai pas le choix. Des cœurs. Radin quoi. Oh mais non. Toi, je t'explose. Toi, donne-moi des cœurs. Cœur, pas des pièces. Ça, oui, donne-moi ça. Ouais, voilà, merci. Mais c'est pas vraiment un cœur, donc bon, on m'en fout. Ça va vraiment être chaud là.
On était parti pour gagner, maintenant on est parti pour perdre là. Faut impérativement que je gère le tout. Plein de caca partout. Du caca. Genre le mec quoi. Alors. Voilà. Nettoyage des WC est terminé. La bombe qui ne sert toujours à rien. Oh non, bon. Ça sent vraiment le. Ça sent vraiment mauvais. Si je puis me permettre. Oh non, 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 non. Oula, lance. Ça va me donner la left hand, pourquoi pas. Oh, un demi-cœur, oh là, n'importe quoi. Bon, on prend la left hand. Hein. On va pas chipoter. Je vois vraiment pas où aller. Hein. J'ai essayé ici. Ah, j'ai pas essayé là. Mongol! Amnésie, non merci. Ouais, ça va être chaud. Je sais, j'ai déjà dit, mais je leur dis, ça va être chaud. 3 coeurs et demi, donc 7 coups. Faut que je me prenne 7 coups. Ah, et en plus, c'est lui. Oh, bon bah. Faut pas que je me prenne. Enfin, moins de coups que je pensais. Si je me prends 6 coups, ça va être chaud. Et en plus, le truc, c'est que c'est long, quoi. Ce boss est très long, tant qu'on n'a pas de dégâts. Comme moi, actuellement. Ah, non, il m'a feinté. Il bougeait plus, moi je pensais qu'il était bugué. Ah non, bah 3 coups. Et chaud. Deux coups. Un coup. Oh, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur les amis, j'ai peur. En fait là je me prends deux coups, je meurs, mais je peux supporter encore un coup. C'est pas une raison pour s'en prendre un aussi hein. Parce qu'après prochain étage je vais galérer. Moi. Whew.
god. Enfin du dégât. C'est un peu trop tard. Allez, allez. Désolé là si je suis vraiment très concentré, mais bon. Pas des pièges, je m'en fous, des pièces, bordel. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais perdre ici? Ça va, c'est qu'une impression. Nice. Alors, il peut être là, passage secret. Il est là. Ah, un demi-cœur. Waouh, il me faut encore 5 cœurs, trop bien. Oh mais non, il fallait que tu me touches. Ah nice. Ah non, pas eux. C'est bon, vous allez arrêter de sauter, oui. Wheel of Fortune. Eh non, mais pourquoi tu te diriges vers moi? Va ailleurs, toi. Va voir ailleurs si j'y suis. Alors, j'ai 10 clés. Je crois que j'en ai un peu trop là pour le moment. Je crois que j'ai plus besoin de clés. Il me faut autre chose. Peut-être un truc qui ressemble à des cœurs, non? Ouh, un cœur, voilà. Ne perdons plus les cœurs bêtement, s'il vous plaît. Boum. Sniped. Ça c'est Amnesia, non merci. On a bientôt réussi le challenge. Cette vidéo sera publiée même si je réussis pas, hein. C'est parce qu'elle est à plus de 20 minutes, comme j'ai dit. Et j'espère franchement réussir, hein. Ce serait bête. Ici, quelque chose peut-être. Ça. Ouais, il faut que je passe sur côté. Là, je sens la galère. Ouais.
Aïe. Je déteste ces ennemis. Ils sont beaucoup trop rapides. Mais c'est bon, arrête de sauter. Je vais encore... Je perds, non. Pourquoi? Ça c'est bon. Carte de tarot, le magicien. Ok. Non, je voulais pas rentrer. Meurs pas ici, meurs pas ici. C'est chaud hein, ça, parce que là ça reste beaucoup plus longtemps que les anciens cerveaux. Dans le premier, donc un peu plus chaud. Des cœurs. Bordel, les cœurs. Mais non, j'en ai marre. Je veux des cœurs. Et vas-y, et j'y rentre quand même, je suis tellement nul. Un cœur. Ah, attendez. C'est bon. Je regardais juste un truc. Oh, j'ai peur. Ah, j'aurais pas dû y aller. Quelle grosse erreur de ma part. Ça va être la défaite à cause de ça, à mon avis. Allez, il faut que je survive. Il faut que je réussisse, Mom. Quand je suis arrivé à Mom, c'est bon, j'ai gagné. Principal. Oh, j'ai eu chaud. Le principal ennemi, c'est le proche, c'est le, c'est ce boss là, et les salles suivantes. Hein. Que je ne sais pas, ça va être quel boss. Hein. J'espère qu'il va pas être trop chiant. Bon, on va tenter le tout pour le tout après. On va passer par là-haut. Putain. Ah, on peut pas passer, d'accord. Ça va, là au moins ils sont... Ils sont pas trop trop chiens vu qu'il y a le boss sinon qui fait qui fait apparaître des larves après la plus petite forme, et ça c'est chiant parce que avec ce personnage là, comme vous avez vu, il est pas très rapide hein. Je sens que je vais galérer en puriste, ça va être un truc de malade pour le défi puriste. Choup da whoop. J'aurais pu l'utiliser sur le boss, c'est vrai, mais bon. Bon allez. J'ai bien fait de venir. J'ai gagné un cœur noir. Fait qu'il me soit utile pour les... qui a un Satan's Deal là, ce serait bien. Ouais, c'est là-bas. Oh my god, j'ai failli marcher dedans. On prend cette carte là, la carte de Magicians, qui va nous servir à ce boss là. The Cage, oh bordel. Première fois que je le lis. Ouais, je vais perdre, je sens. J'ai le droit de me faire toucher. 3,
3, 4, 5. J'ai le droit de me faire toucher 10 fois, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me fasse toucher 10 fois, comme je l'ai dit. Ah bordel. 9 fois. 8 fois. Vas-y, fais ça tout le reste. Allez. Allez, ouais, c'est bien, c'est bien. Vas-y. Non, pas ça. Ah ouais, bien sûr, ça me suit, pourquoi pas. Cinq fois. Quatre. Enfin, trois fois, j'ai le droit de me faire toucher trois fois encore. Non, 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 non. Deux. Un. Et zéro. Désolé, j'étais vraiment stressé là, c'était vraiment dur. Si, dire que si je n'avais pas été dans la salle sacrifiée, je serais mort. Non. Non plus. Je peux pas partir, j'ai plus de mines. Enfin, pas des mines, des bombes. Hein. Vraiment ça, ça devient très 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 dur. Oh non, oh non, oh non, pas, 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 pas. Je vais mourir. Eux ils font beaucoup de dégâts donc... C'est chaud. Oh non, je suis obligé d'y aller. Désolé, alors c'est vraiment... C'est vraiment très 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 dur. Je crois que je me fais toucher une fois, je meurs ici. Okay. Ils font perdre un point de vie, je crois. Un de mort. En plus, il faut pas que j'utilise la bulle, sinon je suis sûr j'ai perdu. Non, 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 non. Non, non, je m'approche pas de ça. Je vais mourir. Je suis mort. Putain, non. Putain de merde. Fais chier. On allait gagner. Mais on a perdu. Bon, bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheusDead pour ChatYBanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.